Eh bien, je sais pas, je vais vous dire 600. Allez, on va dire 45 dans le royaume. Sur Sainte-Eulalie, nous, on connaît 3 associations, mais bénévoles. Juste pour ça, pour s'occuper un peu des autres, il y a trop de gens qui s'occupent que de leur gueule. Ça me paraît pas possible. D'abord, est-ce qu'il y a des pays où il n'y a pas d'association d'abord? Je sais même pas. Mais bénévole, non, je me considère pas comme un bénévole. Dans tout le royaume? Une banque peut devenir association, là c'est dangereux. Bernadette Chirac et tout le cirque, moi, ça j'y connais pas grand-chose. Si on est tout seul, c'est pas une association premièrement. Faut oser, voilà. Déjà à l'origine, c'est la loi de 1901. Faut pas croire qu'une association, c'est là où on va être rémunéré. C'est pas un truc à sous. C'est du bénévolat. On a un peu du terroir, nous. Voilà. De la campagne ancrée. Ah non, la loi de 1901. Honnêtement, Comme on fait tout pour l'argent aujourd'hui, le fait d'avoir un organisme à but non lucratif, eh bien, ça t'oblige à travailler pour l'autre. Je me suis jamais posé la question, peut-être. C'est rude, une association avec des salariés. Le centre social, je pense que c'est une grosse entreprise pour moi. À partir du moment où on accède à un niveau un peu supérieur, il ne faut pas se passer de faire autrement que d'avoir quelques employés. Quand bien même ça ne plaît pas, mais il faut. On peut y aller, hein. Mm-hmm. Diffusez pas ça n'importe où. Hein. Oh. Et ça me plaît.